économique et sympathique. Le bus, pédibus, bus, bus. Comment ça marche? Vous prenez deux personnes comme Michel, hein, Michel prend deux personnes, puis deux autres personnes. Vous avez le rang de gauche et le rang de droite. L'allée centrale est symbolisée par Michel. Montez dans le bus, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, tout le monde rentre dans le bus. Vous pensez bien mettre vos ceintures de sécurité. Hein, tenez les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous faites là? On casse le couple ou on garde le couple? Alors, mettez-moi avec madame devant, peut-être. Voilà. Voilà, faites-moi une belle allée centrale. Si vous avez des problèmes avec le transport en commun, vous constatez que de chaque côté de siège, il y a des sacs pour le vomi. Ne vous gênez pas pour les utiliser. Il y en a partout, hein. Il y en a là devant. Hein. Là, il y a des petites poches aussi. Quand je fais gros âme, le bus démarre. Un petit mouvement du fessier symbolise le moteur en action. Quand je fais première, c'est une marche lente. Puis il y aura la deuxième, qui est une marche plus rapide que la première. Puis la troisième, et comme on est à lundi de Pâques et qu'il n'y a personne, on va dévaler jusqu'en sixième. S'il y a un problème et que je veux freiner, je ferai « c'est le frein. Petit détail technique, le clignotant qui va nous permettre d'arriver sur la route. On fait comme ça. Vous faites pas chasser en faisant clipetit, 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 clipetit. On va le faire ensemble. On y va. Vous êtes prêts? On part sur ce côté. Attention, 3, 4. Clipetit, clipetit. Allez, Pascal! Ils sont super bien, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Démarrer attention, démarrage. Oh, première. Première. Welcome in the France, mesdames et messieurs. Vous êtes actuellement rue des Pierres Plantières, avec ses différents commerces, tous très sympathiques. Ouais, même. Un couple par aussi atypique, avec enfants. Les filles sont belles, les garçons sont vaillants. On les applaudit. C'est juste là. Alors on est rue des Pierres Plantées. Si on appelle cette rue des Pierres Plantées, c'est parce qu'on a de chaque côté une arche.